Ah, maintenant tu connais, hein, les bons plans recettes, c'est ici sur mon compte et aujourd'hui je vais te montrer quelle sauce et quel poisson il faut exactement pour un longfish maison et mieux que les longfish que tu connais. Hein, mais vraiment, j'ai halluciné sur le goût tellement c'était super bon. Ne bouge pas, je te montre ça. Primo, prends le poisson pané de chez Lidl, le pané de Colin d'Alaska. J'ai essayé avec plusieurs poissons et le meilleur reste vraiment celui-ci. Après, tu peux prendre du dos de cabillaud de la poissonnerie et rajouter de la chapelure, mais ce ne sera pas le même prix. En tous les cas, l'idée c'est vraiment de prendre un poisson assez gros et épais comme celui-ci. J'ai pris les pains à burger XL. Bon, j'ai pas eu le temps de faire les pains à burger du Longfish, mais je te posterai la recette prochainement si tu veux. Bon, en gros, j'ai posé un carré de fromage cheddar, une feuille de salade et une rondelle de tomate. Et là, attention, écoute bien, c'est très important, c'est cette sauce qu'il faut mettre. La sauce frite de chez Carrefour, c'est exactement la même que celle du Quick, elle est incroyable. Et là, petit passage au four, juste le temps que le cheddar fonde et tu te régales, tu manges même tes doigts avec. Et tu voudras en refaire le lendemain tellement que c'est bon. On n'oublie pas l'accompagnement, très important, bien fraîche, même si on sait que c'est pas bon pour la santé, mais une fois de temps en temps, ça fait pas de mal. Je t'invite à liker cette publication parce que j'ai fait ça avec amour pour toi, tu connais, et à t'abonner pour qu'on se retrouve pour une nouvelle recette que tu vas très certainement kiffer.